va bien fleur. Ne me faites pas un pavé comme ça. On est pour mettre les fraises dégoûtées dans les barquettes. Comme ça gagne de la place. La place pour les coupées du matin. On va fermer. Les poils ici. Ok, vous allez voir les fesses. Un petit sourire. On va avoir un petit sourire. Donc là, je vais vous faire, quand je vais faire une démonstration des plats, je vais vous les dresser sur une assiette. Donc carte. Donc là, on a pris des tubes de gouache où dedans, avec une poche à pâtissière, on va garnir de brouillade d'œuf. Et donc en fait, on va plier ça et après on va le fermer. Donc on va faire ça et après on va mettre ça sur une assiette. On va mettre un tube, on va mettre un œuf, des œufs d'abruga. Après on va faire une brouillade. Voilà. Donc on va poser la brouillade ici. On va la plaquer sur le plateau. Voilà. D'accord. Mais le plus net possible. Ça vous plaît ou pas les gars? Vous allez voir, on va faire une brouillade d'œuf. Non mais après on va fermer. Là je prépare et après on va envoyer. En fait je suis très heureux de faire ces opérations parce que comme j'ai pas de restaurant, ça me permet de garder la main sur la cuisine. Je fais mes recettes. En plus je les teste en direct avec les gens. En fait, moi, je ne veux pas obliger les gens à manger des choses qu'ils n'aiment pas. C'est ça, la cuisine avant-gardiste aujourd'hui, c'est qu'on peut dissocier les ingrédients dans l'assiette. Yes. Et là, regardez. Après, c'est avec parcimonie, la cuisine. Hein. Ouais, bon, le pain n'est pas toasté, mais le pain est frais de ce matin, donc ça va aller. Voilà. Allez, madame, le tout pour le tout. Et vous n'avez pas ce côté un peu granulé. Ah, c'est super sweet, voilà, avec les œufs. Ah, j'ai appris à l'ancienne. Hein. Les coudes sur la table, je me mangeais une taloche. Je mangeais pas tout, j'avais pas le dessert. On n'est pas mort. Hein. Avec une petite crème fouettée acidulée. En fait, je voulais reproduire un peu, vous savez, le côté caviar. Mais caviar déclassé parce que les œufs de hareng, c'est super bon. Ça ressemble à vraiment à du caviar. Mais c'est un goût très fumé. Là, on va faire de la brouillade. C'est bon. Hein. Vas-y, coupe, papa. Allez, go. Voilà. Je vous en laisse un petit peu goûter, mais vous pouvez venir, hein, pas vous mordre, ne vous inquiétez pas. Non mais après ce qui est intéressant pour moi c'est de montrer aux gens que ce qu'ils ont vu à la télé c'était pas du chiquet quoi. Parce que c'est vrai que sur internet tous les gens ils pensent que c'est pipé. Le tout c'est que ça soit bon. C'est bien beau de faire le show mais alors si c'est dégueulasse alors là c'est... Voilà la cuisine, ça c'est simple. Allez, c'est pour vous deux là, vous trois, allez. Ça va arriver, hein. On saute debout, on dresse. On la veut comment la viande, maman? Là on est au top. Viens toi, viens, fais le tour, regarde. plaisir de t'avoir aujourd'hui, Chut. Et de te remercier. Ça sera un plaisir après avec toi, bien sûr. Voilà. À l'américaine. Je sais pas, c'est ta copine? Non plus? Voilà. Et en fait, t'as même un jus avec, tu vois? La cuisine, c'est bien. Voilà. Allez, ça, pas trop sucré. Très bien, moi je suis très content. Tiens, mamie. Hein? Allez. Allez, on est amoureux. Merci. Voilà. Bonsoir, c'est Norbert. Aujourd'hui, j'étais chez But pour réaliser des belles recettes. On s'est éclaté, il y a eu du monde, c'était vraiment génial. Un bon moment de cuisine. Écoutez, si vous aussi, vous voulez me voir un peu chez vous, réaliser des moments très sympathiques de cuisine avec un peu du fun, un peu d'éclate, eh bien écoutez, n'hésitez pas à appeler PEPS ou alors Pool Events, d'accord? C'est mon agence qui s'occupe de moi. Et je pense qu'on pourra s'organiser des bonnes petites soirées, des bons événements, que vous soyez toute seule ou tout seul, jusqu'à 300, 500, voire même le Stade de France, on est là. Comptez sur nous, moi je m'éclate, il y a de la cuisine, il y a de la sympathie, de l'amitié, on va se régaler. Pool Events avec Norbert Tarayre. Ciao.